Lele, c'est un article d'export de la Suisse un peu bizarre. LST, c'est très fameux, mais presque personne ne sait que c'est originalement un produit suisse, découverte un peu par hasard au milieu de la guerre à Bâle. Il y avait un chimiste qui fait une découverte vraiment qu'il ne comprend pas. Et cette substance fait un parcours autour du planète et fait carrément des confusions sérieuses, non? Il y a d'autres aspects scientifiques. Bref, c'est un effet tellement fort pendant des décades, surtout deux décades, les années 50-60, que je me suis dit, comme cinéaste suisse, pourquoi pas raconter ça? C'est un phénomène vraiment international et nous, les Suisses, pouvons et devons peut-être même la raconter. Non, c'est une histoire carrément triste parce que quand j'ai contacté Hoffmann la première fois, il a dit non. Écoutez, je suis vieux, il avait 102 ans à ce moment-là, 102 ans. Je me sens pas bien, je suis fatigué. Où étiez-vous il y a 10 ans? Et puis, moi je me suis dit, il a raison. Quelqu'un nous sommes de ne pas l'avoir fait quand il était. Et puis, il a dit, désolé, mais laissez-moi tranquille. Puis on respecte ça. Mais quelques semaines après, je me suis dit, je vais insister, j'ai lui retéléphoné. Il était très aimable au téléphone. Et puis, je commence à vraiment expliquer ce que je voulais. Et quand il avait compris que ce n'est pas du journalisme normal comme il était habitué, mais c'est vraiment 90 minutes, 90 minutes cinéma avec tous les aspects, son œuvre de vie peut-être, et surtout sur des questions un peu plus de base, sur la matière et la conscience, cette bizarre frontière-là, qu'on ne sait pas exactement une molécule qui change notre personne, c'est vraiment toujours énigmatique. Quand il a compris qu'on pourrait faire une interview sur ces choses de base, sur la mort, sur la vie, sur la création aussi, il a dit ok, venez. Hein. Et puis on a fait rendez-vous, il a dit venez directement avec votre équipe, j'ai pas le temps de faire des préparations, des conversations avant comme je voulais pour préparer un peu, venez vendredi la semaine prochaine. Et j'étais heureux parce que finalement après des mois d'être refusé, ne pas savoir, ne pas oser, j'ai eu mon rendez-vous. Je réserve l'équipe, je prépare tout. Après ce week-end, c'était aussi un vendredi, lundi, Monsieur Hoffmann meurt. Et puis ce vendredi est devenu le jour de son enterrement. J'étais à l'église à Bottingen à Bâle, au lieu chez lui pour l'interview, c'était vraiment. Et puis, on ne savait pas bien quoi faire et après quelques semaines, le producteur et moi, on réfléchit, on a dit, on ne laisse pas tomber. Et j'ai commencé à chercher des interviews déjà faites avec lui et j'en ai trouvé quelques-uns. Et surtout celui qui est dans le film maintenant, c'est un cinéaste en Allemagne qui l'a fait. C'est quelqu'un qui a tourné, peut-être pas régulièrement, mais souvent, une fois par an avec M. Hoffmann, par intérêt profond. Et heureusement, il nous a donné ça.
on a pu acheter ce interview qui porte d'une manière très belle le long du film, je trouve. Il est vraiment une espèce de point d'orientation qui intègre aussi des aspects critiques et des doutes et tout ça. Et ça, c'était vraiment un bonheur pour nous d'avoir ce interview, parce que sinon, ça nous aurait cassé la gueule, cinématographiquement. Autour de Albert Hofmann, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. C'est un mythe. C'est un père pour beaucoup de gens, surtout dans la communauté hallucinogène, dont je ne fais pas partie, tout en ayant beaucoup d'intérêt pour cette substance, tout en la connaissant. J'ai fait mes tripes merveilleuses, mais je ne me sens pas un membre de cette communauté ésotérique, disons, que je respecte, mais ce n'est pas mon truc. Moi, je suis quelqu'un qui travaille dans la tradition classique de Aufklärung, enfin, éclairage peut-être. Moi, je suis un cinéaste plutôt narratif. Qu'est-ce qu'il y a? Aspect, contradiction, tu vois. J'ai pas tendance de mystifier les choses. Bon, mais c'est bon. J'ai beaucoup de sympathie pour ces gens, mais pour être honnête, c'est pas moi. Hein. Je suis un peu plus distancié, un peu. Pour moi, Albert Hofmann, c'est un scientifique avec une attitude énormément ouverte vis-à-vis de la spiritualité et de l'inconnu. Pour moi, il n'est pas du tout un gourou et pas du tout un saint. Et lui, surtout, avait la même opinion sur soi-même. Il a publiquement dit, écoutez, moi, je ne suis pas un gourou, m'en fais pas. Je suis un scientifique suisse, correct. Mais, et ça, c'est la classe de Albert Hofmann, moi, je trouve, il était scientifique, il était vraiment avec ses chiffres et tout, ses molécules, mais après cette expérience bizarre qu'il a faite, il avait la classe d'être attentif, ouvert vers cet autre monde qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui non plus, c'est juste pas clair. Et ça, cette énigme, peut-être ça, c'était la raison principale pour que j'ai fait ce film. C'est parce qu'on ne sait pas. Et moi, je trouve qu'il faut avoir beaucoup de respect pour Albert Hofmann sur ce point-là. Être scientifique, découvrir quelque chose qui dépasse les catégories qu'il avait et ne pas refuser, mais le contraire, regarder qu'est-ce qu'il y a là. S'ouvrir, poser des questions et tolérer qu'il y a des mystères. Et là, il était vraiment un grand monsieur pour moi. Écoutez, les protagonistes dans le film, les personnes qui parlent, ça c'est un processus assez long, parce que j'ai eu une longue liste, j'ai eu une short list de toujours 40-45 personnes, la plupart j'ai visité, des gens que j'ai pensé peut-être ils peuvent devenir protagonistes, parce que tous ces gens ont quelque chose à dire sur ce sujet-là. Et après, j'ai commencé à voyager, à visiter les gens, à les regarder à l'internet ou des films, je ne sais pas quoi. Et à la fin, je me suis décidé de prendre ces 9 personnes plus Albert Hofmann au centre, parce que de plus en plus, j'avais l'impression que c'est vraiment des gens qui ont à dire quelque chose sur ces aspects
que j'avais mis au centre du film. Hein, la psychiatrie, le complexe militaire Secret Service, Leary et cette école, disons, tranquille au début de l'LSD, la Californie counterculture, drug culture, et puis les excès et le, disons, les excès, on dit, oui. Et disons la catastrophe. Et puis je me suis dit, dramaturgiquement, ça serait vraiment intéressant de reprendre cette substance après la catastrophe, avec cette renaissance en thérapie psychiatrique avec les patients du cancer, parce que ça fait vraiment une, dramaturgiquement, comme une renaissance, même catharsis à la fin, ouais, vers une fin tranquille, concentrée, menée par ces beaux réflexions de Hoffman, qui nous dit qu'il pense qu'on ne devrait pas traverser ce paradis-là aux yeux fermés. Écoutez, point de vue psychiatrie, médecine, LSD, ça c'est un complexe compliqué. Il y avait ces grands expériments aux années 50, expériments non, pratiques. Tout ça était victime de cette stigmatisation qui a eu lieu au milieu des années 60. C'est complètement disparu. Hein. Aujourd'hui, ça commence à recommencer. Moi, je trouve dans la psychiatrie, dans la médecine en général, surtout là, on devrait avoir, les spécialistes devraient avoir la possibilité de travailler avec cette substance, bien sûr de manière contrôlée, certifiée, tout ça, comme ils travaillent avec d'autres substances dangereuses, des substances radioactives dans la radiologie, des substances, je ne sais pas quoi, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais, beaucoup de médicaments sont complexes et peuvent uniquement être utilisés dans des mains des spécialistes, certifiés, contrôlés. Là, dans un contexte comme ça, je pourrais m'imaginer, moi, comme pas spécialiste, mais c'est ce que me disent les spécialistes, on pourrait libérer ça pour vraiment travailler et faire de la recherche. Je ne dis pas légaliser en comme ça, c'est pas ça. Mais pour la recherche, avec des règles, soigneusement, pourquoi pas. Surtout aux États-Unis, LSD est toujours... C'est l'hystérie. Hein? On comprend pourquoi l'État, à l'époque, commençait à réagir, parce que carrément c'était un problème pour eux. Mais ce qui m'a vraiment frappé en voyageant à travers les États-Unis, en visitant les gens, toujours aujourd'hui, LSD, c'est fou. Hein? En Europe, c'est un peu mieux, et surtout en Suisse, bizarrement, nous, on a des lois de drogue, je ne sais pas mieux dire en français, assez libérales. Pour cette raison-là, c'est pas un hasard que le premier docteur, le premier psychiatre qui a reçu le droit de nouveau employer LSD dans sa thérapie avec des patients du cancer, c'est en Suisse. Hein. Oui, c'est à cause de notre loi qui est assez... cet aspect-là. Il y a d'autres lois ici qui sont plus idiots, comme vous savez, les immigrations, c'est... Oui, 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 mais le loi de la drogue, à mon avis, c'est intéressant. Vous savez, moi j'ai travaillé pendant 4 ans, mais je ne peux pas dire que j'ai travaillé 4 ans parce que je travaille depuis 30 ans
pour des autres films, comme scénariste, comme monteur. Et pour ce projet, j'ai commencé en 2007. J'ai lu pas mal, j'ai vraiment fait des recherches pendant des mois. J'ai trouvé un producteur qui m'a payé une somme pour vraiment continuer cette recherche, pour voyager et puis écrire un scénario pour aller chercher l'argent pour le faire, le film. Là, c'était déjà un an et demi, peut-être deux ans. Après deux ans, je pouvais commencer à tourner. Et puis, voilà, on est 2011, ça fait 4 ans dont j'ai vraiment travaillé sur ce projet, peut-être un an et demi, deux ans. C'est dur à dire. C'est quand même beaucoup. Oui, mais il fallait vraiment comprendre ce paysage qui est complexe. Il fallait faire des choix. Je ne suis pas sûr s'ils sont vraiment justes, mais je les fais comme ça. Laisser à côté quelques aspects, concentrer sur quelques champs de débat. Mais ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre comment faire ce balance-là. Non, moi je ne trouve pas tellement personnel. Pour moi, c'est plutôt The LSD Story comme je la vois. Mais ce n'est pas ma version personnelle. Moi, je trouve que c'est plutôt une manière possible de montrer ce qui s'est passé avec cette substance étrange pendant les maintenant 7 décades qu'elle existe. C'était mon ambition de raconter tous les champs de la société occidentale, tous les champs des sociétés occidentales où cette substance, où cette goutte est tombée. Et je voulais raconter quelle fleur étrange ça a fait pousser, et différente. Quelle fleur. Imaginez la psychiatrie, les militaires, les hippies, la rébellion, tous ces gens vraiment différents ont fait référence à la même substance, ont lié des espoirs des fois fous à cette substance même. Et ça m'a vraiment frappé. Comment c'est possible? De telles différentes personnes, intérêts, espoirs, folie, mais un petit molécule au centre, et le vieux monsieur qu'il a découvert. Ce qui m'a surpris le plus, c'était surtout le fait que LSD aux États-Unis, là où se déroule la plupart de cette histoire, du film aussi, c'était le fait que LSD était toujours tellement dangereux. Évidemment pour cette société. Oui, c'était la classe de Hoffman d'avoir ces deux côtés et de les tenir ensemble. Hein. C'était vraiment l'essence de son personnage, peut-être, son personnalité. Ben, les salles étaient pleines aujourd'hui de nouveau, ils ont dû refuser, ce qui me rend très heureux. D'ailleurs, je suis déjà très heureux d'être ici parce que c'est un honneur pour moi. Oui, c'était qu'il y avait tellement de gens qui voulaient les voir, m'a confirmé que j'ai choisi un sujet qui intéresse. Mais maintenant, il faut voir ce qui se passe. Il y a une grande pression sur ce film en termes d'intérêt. Ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de la substance. C'est pas les films comme ça, je trouve, et j'espère que je ne suis pas trop modeste, mais les films comme ça, ils marchent parce que le sujet est fort. Si on fait une belle manufacture, une belle construction cinématographique, tant mieux. Hein?
J'espère j'en ai fait. Et mon expérience ici à Locarno est que il y a vraiment les gens sont comme ça. Hein. Il y a une réaction surtout de quelques journalistes qui m'a étonné. Ils m'ont posé la question, mais est-ce que vous n'êtes pas trop positif avec ce problème, avec cette substance? Est-ce que vous êtes un militant de LSD? Moi, je suis non. Je dis non. C'est juste... je voulais, comme j'ai dit, raconter ce qu'il y avait en balançant en revanche de ces polémiques qu'on avait il y a 40 ans. Ouais, c'est une question de balance. Tu as, et puis il y a un undercurrent qui est plutôt complexe, à mon avis, et les gens qui veulent le lire peuvent, oui, peuvent le lire de manière ça. Si complexe que j'ai voulu. Que j'ai voulu, hein. Oui, j'ai peut-être profité un peu de mon dernier film, même peut-être profité un peu plus que j'avais pensé. Mm-hmm. Tant mieux, c'est... Oui, c'est bon. Pour la Suisse, on a une distribution qui va sortir le film aux salles au mi-novembre en Suisse alémanique. Et le reste de la Suisse sera un peu plus tard. Je ne peux pas encore dire combien de semaines plus tard, mais en hiver, il sera dans les salles. Internationalement, il y a un World Sales qui a commencé à travailler. Maintenant, j'ai pas encore, je ne peux pas encore dire comment ça se fait. Il voulait attendre Locarno. Je suis très... Moi, j'ai beaucoup de matériel qui n'est pas dans le film, évidemment. Ce n'est pas spécial. Mais dans ce cas-là, je pense vraiment qu'il faudrait organiser ça sur une DVD avec du matériel bonus extra. D'un côté, les archives. Là, c'est un peu un problème des droits qu'il faut encore régler. Mais d'autre côté, sans problème des droits, les protagonistes qui ont parlé beaucoup, hein, j'ai fait des longues interviews, des interviews de une heure et demie. Et ces gens-là m'ont donné beaucoup de cadeaux, beaucoup de réflexions, beaucoup de mémoires. Et je pense que je devrais rentrer dans la salle de montage et structurer ça et préparer pour une DVD, un bonus. Très bien. Ça serait bien la peine parce que les gens, ils ont raconté des choses vraiment, c'était des témoins, first class témoins. Surtout Stanislav Grof qui est un protagoniste important, je pense même le plus important à côté de Hoffman. Lui, il a vraiment parlé pendant 2 heures, j'ai fait tout le tour d'horizon avec lui, commençant à Prague, aux années 50. Et il a vraiment insisté, c'est ça la force de lui, sa force, c'est qu'il a insisté sur ce sujet de recherche de altered states, c'est pas le mot en français, des consciences altérées. Lui, il a vraiment insisté sur cette recherche-là et il a écrit des bouquins, beaucoup de gens qui s'intéressent pour ces sujets-là le connaissent, bien sûr. C'est le grand doyen de ce champ-là. Je voulais intégrer The Trip. Je voulais aussi, au début, intégrer Easy Rider à cause de cette belle scène dans la cimetière de la Nouvelle-Orléans. Qui m'a plu dans ce contexte-là. J'ai parlé avec Fonda, il était prêt au début, il voulait plus à la fin. À un moment donné, je me suis dit, je préfère les films de propagande qui ont été faits au même temps aux États-Unis, parce que là, c'est plus condensé pour montrer ce débat.
ça m'aurait pris trop de temps d'intégrer des belles scènes de fiction, parce qu'on a besoin de quand même développer ça pendant 2-3 minutes pour comprendre une atmosphère d'une vieille fiction. Et ça aurait cassé le rythme du film d'un côté, et sans parler du fric, parce que les droits pour ces films comme ça, c'est... S'en fout. j'ai téléphoné avec Corman, l'office de Corman, pour commencer à comprendre. Mais à la fin, j'étais content que je ne voulais même pas moi-même. J'ai mis à côté. C'est trop. Ouais.